9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1.
Les amis, je vais relancer plus souvent à deux mains peu au ravoir. Une trajectoire bombée en retour. Ça a fait toutes les lignes. Ouais.
Ouais, tu t'es mini Roger, tu t'es. Tu peux nous faire un recoffage Roger, moi aussi j'essaie de ça marche. Ouais, j'ai le 6. Exactement. Ouais, sur ton match, Lucas, enfin, sur ton 7, je t'ai trouvé. L'an dernier, Lucas avait mis 6-0. Ou 6-1. Là, 6-2, content d'avoir marqué deux jeux. Comment tu t'es senti, toi? Bien, conditions pas faciles, il fait très froid, donc les balles rebondissent très peu. Donc pas évident, peut-être mieux joué que l'an dernier, je te trouve bizarrement plus fit que l'an dernier. Oui. Tu bouges mieux, moins de fautes, ouais. Pas mal de réussite pas mal de avec les lignes. Mais sinon, non, après t'as fait un bon match, pas de trop de fautes, une seule double, je crois, si tu dis pas de bêtises. Très très peu de fautes, donc non, t'as bien joué. T'as bien joué, j'ai un peu serré le jeu à 3-2. Qu'est-ce que tu as fait tactiquement? Parce qu'en fait, moi, c'est vrai que je me sentais plutôt bien sur 2-2. Effectivement, je bouge mieux que l'an dernier. Je joue pas trop mal. T'as fait quoi concrètement? T'as assez plus serré le jeu? Ouais, concrètement, j'ai fait moins de fautes. J'ai plus chippé en revers. Ce qui t'oblige aussi à monter, à pousser long et à monter. D'ailleurs, j'ai essayé de te faire jouer une volée systématiquement. Et t'as sur tes 2 ou 3 balles de jeu à 3-2, tu fais 2 ou 3 fautes en volée. Ok. Sinon après non après puis après au dernier jeu si tu l'as manqué, mais sinon non c'est juste plus remettre la balle, t'obliger à baisser un peu plus les jambes, faire durer un peu plus les charges. Ok, tu m'as fait jouer 2-3 3 de plus à retenir. En tout cas t'es à 5 non 15 pas encore remonté à 5. Ouais, il manque 15. Il manque à 5 pour monter 5 et ton objectif c'est 4. Ouais, c'est ça. Ok, on reprend. Alors, en tant qu'ancien élève, maintenant il est au Limoges, enfin j'ai Tennis Club, il était à Panazol. Et quand je t'entraînais à Panazol, à un moment donné, tu as fait une rupture entre ton revers à deux mains et une main. Pourquoi tu étais passé de deux à une main? Rien de rationnel. Juste une passion pour Roger. Ouais. Rien de rationnel. Non, après, bon, je me sentais pas trop mal. En entraînement, des fois, il m'arrive de jouer à deux mains pour m'échauffer. Ah oui. Parce que j'ai eu un petit problème de poignet il y a quelques années, donc il m'arrive de m'échauffer. Et sinon, non, après, je me sens bien à une main. Ça permet d'alterner pas mal le chip et le lift. Ouais. Des fois, c'est trop, du coup, je fais un peu trop de chip. Ah oui. Donc ça me fait prendre mon propre jeu. Mais sinon, après, non, quand je me sens bien en revers à une main, je trouve que c'est mon meilleur. Donc c'est bien ça, c'est surtout la passion de Roger, ouais, qui t'a fait prendre le revers. Ouais. Là, c'était assez cohérent par rapport à ton jeu, t'aimais faire un peu de chip, un peu lift, ouais. De la variation. J'ai toujours eu ce souci en revers lifté. Ça a toujours été mon idée de ce type. D'accord, ok.
Bon, bah, bonne continuation. En tout cas, sur le troisième série, tu te places en favori. Je te mets la pression. Ouais. Non, on va voir si ça, si ça va aller. On verra. Merci. 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 À la suite de ce match, j'ai aussi fait un tie-break. Tu pourras aller le voir aussi sur ma chaîne YouTube. J'espère que cette vidéo t'a plu. N'hésite pas à t'abonner et à très vite sur Tennis 87.